maman, il a mis la sucre dans ses pieds. Ça fait quoi? Pardon? Il a mis la sucre dans ses pieds. Comment ça? Dans le monde de la sorcellerie là-bas, on dit de la donner. Maintenant, quand il est fait pour la donner, il n'arrive pas à la donner. C'est ça qu'on dit, c'est comme ça. Quand la tue a petit fait cela, il a mis la sucre dans ses pieds. Et puis la pompe va le faire cheval. Oh, c'est pas mère. Vous avez des difficultés pour marcher? Oui, ça ici, je suis venu et puis j'ai marché. C'est ici, je suis venu et puis je suis arrêté comme ça. C'est ici, je suis arrêté sur mes pieds comme ça. Vous avez le dos, les mains qui vous font mal? Très mal. Et quand tu nous laisses, comment tu tues les gens? Comment tu fais les gens que tu as tués? Les gens qui ont tué, il y a des gens qui ont fait par accident, de moto, de voiture. Et puis les gens aussi, quand on va à l'hôpital, on a sucé les sangs. Et puis il y a des gens qui, les gens qui prennent les AVC, tout ça, c'est ça qu'ils faisaient. Comment tu fais? Ça va, il me transforme en dragon. Maintenant, il m'a trouvé sur la route là. Quand il passe, maintenant, il panique le chauffeur. Alors, quels sont les gens que tu as gardés dans la famille? Papa, ils m'ont pas fait pour te gâter quelqu'un, ils m'ont fait seulement pour tuer, que pour tuer. Non, mais le sorcier gâte, hein. Il ne veut pas que tu aies. Il a gâté. Qu'est-ce que tu as gâté dans la famille? Oui, il a gâté. Tu m'avais promis que tu allais parler. Hein. Oui. Tu as promis que tu as parlé. Il a gâté les pieds de mes consoeurs, de ma maman. Et puis il a gâté les choses de mes grands frères. Et puis il a gâté les. Tu as fait quoi? Il a gâté les piles, il a mis le canari en bas de mon grand frère pour qu'il travaille tout le long qu'il va travailler, ça tombe dedans. Maintenant, ma grande soeur aussi, on a pris son BPC. Maintenant, ma l'autre grande soeur, on a pris son mariage et puis on a pris les déchets pour la laver pour qu'elle ne se marie pas. Maintenant, maman, il a mis la sucre dans ses pieds. Ça fait quoi? Pardon? Il a mis la sucre dans ses pieds. Comment ça? Dans le monde de la sorcellerie là-bas. On dit de la donner. Maintenant, quand il est fait pour la donner, il n'arrive pas à la donner. C'est ça qu'on dit, c'est comme ça. Quand la tue a petit fait cela, il a mis la sucre dans ses pieds. Et puis la pompe va le faire cheval. Mmh. Et son commerce, qui a gâté ça? C'est moi, il a tout posé ça là-bas, c'est ça, il prend pour vendre. Mmh? Il a te posé ça là-bas, c'est pour moi. Ah, donc tu ne veux plus fréquenter ce fait comme ça. Ton père, il est où? Mon père, la pitié. Tu le connais? Il t'a une fois. Tu vas chez lui, c'est ça? Non, lui là-bas. Qu'est-ce que tu as fait à ton père? Il a remplacé sa pierre. Donc toi, tu es expert en gâter pied. Comment tu as fait? Il a pris lui-même ses pieds pour aller te poser ça dans le monde de la société. Et puis il a pris les pieds qu'ils ont pas physiques, les pieds qui font toujours que ses pieds le font mal, et puis ils ont envoyé pour mettre ça à la place de ses pieds. Donc il a mal le pied? Donc il a mal au pied, c'est ça? Là-bas. Alors c'est pas mère. Vous avez des difficultés pour marcher? Oui, ça ici je suis venu et puis j'ai marché. Ça ici je suis venu. Et puis je me suis tenu. Tous ceux qui m'ont vu, ça ici je suis venu et puis je suis arrêté comme ça. Ça fait que quand on dit de se lever, je me lève un peu, je m'assois un peu. Je me lève un peu, je m'assois un peu. C'est ici, je suis arrêté sur mes pieds comme ça. Vous avez le dos, les mains qui vous font mal? Très mal. C'est où? Qu'est-ce que qui d'autre t'a gâté? Qui encore? Il a gâté. Et puis il a gâté ma tante aussi, la soeur de mon papa. Tu fais quoi? T'as gâté quoi? Il a gâté, n'arrive pas à se marier. On dit de la faire être prostituée. Et comment tu as fait? Il a mis sa tête sur le garçon.
Alors, lui, tu t'as mis dedans, là. Il est où? Il a Guitry. C'est un pasteur. Prédicateur. Prédicateur. Ah bon? C'est un prédicateur qui t'a mis dans la société. Harris. Hein? Prédicateur Harris. C'est Harris. Où est là-bas? UAPA. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Hein? Je sais même pourquoi tu prends pour moi, pourquoi ça te délivre. Et si tu as délivré, tu as fait quoi? Je suis délivré, partir à l'école. Tu ne vas pas à l'école parce que maman dit qu'elle n'a pas l'âge, c'est ça? Je ne vais pas. Est-ce que toi, tu as la volonté d'aller à l'école? Oui, papa. Ta dernière classe, c'était quand? C'était quelle classe? Sixième. Elle a envie d'aller à l'école, vraiment, ta fille. T'as cette volonté d'aller vouloir aller à l'école. J'ai une ONG qu'on appelle la Fondation Prophète Joël Crasso. Cette ONG-là s'occupe les milieux pour l'éducation des enfants. C'est notre combat, c'est l'Afrique a besoin, n'est-ce pas? Le problème africain, non seulement il est spirituel, aussi éducationnel. Comme tu as envie d'aller à l'école, je prends l'engagement devant tout le peuple de Dieu de m'occuper de toi. Amen. Parce que l'Afrique sociale, on va s'occuper de toi. Voilà, on va s'occuper de toi, on va, je vais mettre les gens là. Pour avoir toutes tes informations possibles, ton extrait, on va s'occuper de toi. Merci. On va s'occuper de toi. Jusqu'à jeudi, on va t'envoyer de l'argent à ta maman pour qu'elle t'achète des habits. Voilà, on va acheter des habits pour elle. À partir de jeudi, on va... Voilà, même tes yeux, comme la distance n'est pas une barrière, je commande à l'esprit de la sorcellerie de quitter toi. Voilà, va-t'en. Voilà, sors. Va. Va. Allez. Allez, allez. Le feu sur toi. Elle a fait des aveux, mais en même temps, elle a un démon en elle. Le fait de faire des aveux ne la libère pas de la sorcellerie. Alors, ce qui peut la libérer de la sorcellerie, c'est la délivrance que je suis en train de faire. Parce qu'en elle, ce qui la poussait à détruire son entourage, à livrer des personnes, c'est le démon qui en est. Et c'est ça qu'il faut avoir le pouvoir de chasser les démons. Jésus dit, nous a donné ça déjà. Nous devons prêcher l'évangile, mais nous devons être capables aussi de libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Donc la fille, elle était initiée, c'est vrai. Mais elle est peut-être sous le contrôle d'un esprit. Et c'est ce que je suis en train de faire. Une fois chassée, elle va retrouver toutes ses facultés. Et sera comme nous, elle pourra reprendre l'école. Tu pars. Voilà, définitivement. Sors. Elle est libérée. Amen. Alors, je pose la question, qu'est-ce qu'elle a ressenti? Qu'est-ce qu'elle a senti au coup de la prière? Oui, qu'est-ce que tu as senti au coup de la prière? Quand il prie pour moi, je me sens que mes gardes, et maintenant, c'est là que quelque chose est sorti de moi. Elle dit que quelqu'un est en train de prier. Je peux entendre, quelqu'un peut me dire ça? Elle dit que quelqu'un est en train de prier. Elle dit quoi? Qu'elle est en train de prier, son groupe l'a menacé. Maintenant, après, elle a su qu'elle a vu qu'il y a quelque chose qui est sorti d'elle. Délivrer.